Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu très sympa qui s'appelle My Colony. Alors My Colony c'est un jeu que j'ai connu il y a peut-être bien 2 ans, j'y ai pas rejoué depuis longtemps. Je l'avais connu sur téléphone, c'était un jeu qui était, voilà, qui était sur téléphone mais qui est disponible également sur navigateur et qui est développé par APE Apps. Alors en redécouvrant ce jeu, enfin là je vais le redécouvrir, mais j'avais envie de faire une. Alors si vous voulez, voilà, je vous explique un petit peu le contexte de ce tournage. Je voulais faire une vidéo sur un jeu en 3D. Le problème c'est que j'ai ma carte graphique qui a un problème. Apparemment le ventilateur ne tourne plus, donc je peux pas jouer à des jeux 3D sans que la carte graphique chauffe et au bout d'un moment bah, fasse planter le PC. Donc voilà, donc mon PC est bon pour aller en réparation prochainement, donc il fallait que je fasse un jeu plus léger. Et donc je me suis dit, bah allez, j'ai ça dans les cartons, je vais le refaire. Et en relançant le jeu, je me suis intéressé un petit peu aux développeurs, APE Apps, et j'ai découvert une véritable mine d'or. Honnêtement, ce sont des développeurs, et alors ils ont leur propre launcher, où on peut télécharger et installer tous leurs jeux. Tous leurs jeux sont compatibles Mac, Windows, Mac, Linux, la plupart sont disponibles sur téléphone. C'est des fous, les mecs, c'est des fous. Donc voilà, donc on fera certainement d'autres jeux de APE Apps, mais là je vous propose de partir sur un let's play sur My Colony que je connais un petit peu, même s'il y a voilà des nouvelles versions qui sont sorties, parce que quand j'y ai joué, je devais être en 0.73 à la dernière fois que j'y ai joué, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait un bout de temps. Là on est sur la version 0.76, donc ça c'est la version qui est disponible dans leur launcher. Leur version web, je sais pas pourquoi, elle est plus en avance, elle est en 0.77.3 ou .4, je sais plus. Donc il y a une nouvelle version sur navigateur, mais je sais que sur navigateur le problème c'est qu'arrivé à un certain moment, quand on a trop de bâtiments en fait, le jeu se met à ramer. C'est un problème. Ça me faisait la même chose sur téléphone, c'est pour ça que je ne joue pas sur téléphone. Et là, donc, je joue à leur jeu depuis leur launcher. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, j'ai juste retronqué un petit peu mon écran, parce que moi, à droite, là, j'ai des pubs qui défilent. Bon, voilà, bon, tant pis, hein, moi, je me les bouffe. Vous ne les aurez pas. Donc, on est parti. Donc, je vais créer une nouvelle colonie. Ah. Ça rame un peu. Donc voilà. Donc après je vais envoyer mon PC en réparation et puis on fera l'autre let's play qui était prévu certainement dans les semaines à venir. Allô, oui. Voilà, ok. Donc là on peut choisir, donc soit on a un mode de jeu créatif, soit on a un jeu en local, soit on a un jeu en multijoueur. Et là ça peut être intéressant. Parce que ça veut dire que au fur et à mesure que je joue, vous pourriez peut-être interagir avec moi. Donc je vais partir sur ce... Ah non, requiert un APE à compte. D'accord, ok, maintenant il faut s'inscrire pour avoir ce... Faut créer un compte. Bon, écoutez, pour le moment, j'ai pas de compte, donc on va juste faire un jeu en local. On va juste faire un jeu en local. C'est pas grave. D'accord, ok. Maintenant, il y a des factions. Ah oui, d'accord, ça a bien changé. Donc, on peut choisir donc d'être donc United Elf, donc l'union de la Terre. Les Zolargues, l'Empire Zolargues. Alors ça, ce sont des factions qui existaient avant, mais que voilà, on pouvait pas vraiment choisir au début, à la base, enfin à l'époque où je jouais. Et les Draconian, d'accord, ce sont des reptiliens, nana. Ok, d'accord. On va partir sur simple, hein. On va partir sur l'union de la Terre, sachant que je sais que le problème, enfin à l'époque,
Donc à l'époque, on devait payer, de toute façon, on va devoir payer des taxes à la ligue à laquelle on se, enfin à la faction à laquelle on se fait. Sinon, il y a l'indépendance, donc là, on est indépendant. Donc là, on paye pas d'impôts, c'est l'avantage, mais par contre, on se démerde sur les ressources, on peut rien demander, on peut pas, voilà, on peut rien vraiment demander. Donc on va prendre la terre. On va prendre la terre. Ok. Et on peut choisir. D'accord, ok. Alors ça c'est nouveau. Earthlike. Non, Forest World. D'accord. Donc. Attends, j'aurais bien envie de prendre Forest parce que je sais que la forêt au bout d'un moment ça sera emmerdant, mais vu que la difficulté, ils indiquent que c'est la difficulté hard, on va plutôt partir sur. Bah, pff, allez, sur Beginner. Ok. Ok, attendez, j'ai un message, je le lis rapidement. Ok, alors on va prendre. Alors, ah d'accord, maintenant ils ont sorti le méga, donc on va prendre la taille méga. Je veux vraiment du lourd, hein. Je veux vraiment que ça dure un petit peu. Hop, et on va appeler ça la MDG's Colony. Voilà. Et on va mettre en ressources abondantes, histoire de bien profiter. Voilà, donc ils le disent, hein, la taille de la carte impacte les performances de jeu. Mais on va tenter en méga. La question c'est est-ce que ça va me bouffer sur la carte graphique? Parce que c'est toujours le problème là que j'ai actuellement. Sinon je prends en extra large. Tant pis, ce sera pas en méga, mais honnêtement on a déjà de quoi faire. Hein. Allez, on va faire ça, on va prendre en extra large. On va pas prendre en méga. Ah, ok. Oui, j'autorise l'accès. Oula! Ok. Donc il y a du son. Je sais pas du tout ce que ça vaut pour vous. Elle est horrible la musique. Attendez. Ok. Alors, attendez, 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 attendez. Non, sérieux, c'est quoi cette horreur? Voilà, merci. Non, mais c'est quoi cette horreur? Bon, alors l'avantage de la Terre, apparemment, c'est qu'on part avec une atmosphère. En effet, on a une atmosphère à 5 millions. Ok, ça c'est cool. Donc, on va commencer. Donc, il me faut quoi? Donc, j'ai pas d'énergie pour le moment, donc il va me falloir de l'énergie. Donc ça, donc on va partir sur la création d'énergie. D'accord, est-ce qu'on peut... D'accord, donc on les construit un par un. Donc je vais construire pour le moment 5 panneaux solaires. Je suis en pause. D'accord, ok, oui, donc ok, donc faut confirmer. Bah écoutez, je vais tout préparer pour le moment. D'accord, ok, quand je clique sur une autre ressource, ça la développe. Alors ok, donc les solar panels, ok. Donc là, ça c'est pour avoir de l'énergie. Donc voilà, donc je vais. Hop. Donc pour le moment. Je regarde un petit peu, hein, pour le moment, parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas joué. Comment je peux disposer mes pompes? Alors, est-ce que. On va faire ça comme ça. Donc là, pour le moment, je vais disposer 5 pompes comme ça. Et je vais déposer, je vais mettre mon dépôt de véhicule ici. Ah d'accord. Alors lui, par contre, je peux le disposer à volonté. Ok. Bon, allez, confirme.
Donc, ok, donc là, je produis de la... Ok. Bon, donc là, maintenant, voilà, je peux construire... D'accord, ok. Build. D'accord, ok, voilà. Ok, d'accord, ça se dispose comme ça maintenant. Donc là, maintenant, je peux construire des véhicules qui permettent de construire davantage de bâtiments. Donc on va faire ça. Voilà. Maintenant que j'ai des builder bots, alors j'en ai qu'un pour le moment, mais ça va me permettre de construire beaucoup plus de choses. Donc notamment ce que je voulais. Hop. C'est ces trucs-là. Ah, d'accord, ok. Je me suis planté. Ok. Non, plus loin. On va faire ça comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'est pour l'eau, l'énergie. On va construire également nos... Ouais, donc c'est ça, donc voilà, ils vous expliquent. Donc les pavés, ça permet de comment de naviguer plus rapidement. Ensuite, donc on va avoir les greenhouse. Donc ça, d'accord, ok. Donc, ah, mais attendez, donc ça, c'est le même délire. Ça, par contre, donc il y a des bâtiments qui peuvent se construire à la chaîne et d'autres qui ne peuvent pas. Bah, apparemment non, ils peuvent pas. Localisation bloquée. Ah d'accord, ok, j'ai une forêt là. J'ai une forêt. Bon, on la coupera plus tard. Greenhouse. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pour la production de nourriture. Destroy. Ok, d'accord, c'est bon. J'ai plus à détruire comme ça. Mais malheureusement, je vais pas récupérer de bois, je suppose. Bon, c'est pas grave. Hop, c'est juste histoire de pouvoir construire. Voilà. Donc là, pour le moment, j'ai de l'eau, j'ai de la bouffe. Je regarde un petit peu. Donc, pour le moment, ça s'annonce bien. Alors, ensuite, on va peut-être se construire. Hop. Alors, voilà, quelques heures miner. Ah oui, j'ai mis le cycle jour-nuit. Je sais pas si, voilà, si ça vaut le coup, mais il est où mon heure miner? Normalement, si j'appuie sur W, c'est un rover. D'accord, donc j'ai un forest rover. Donc lui, il peut aller me couper du bois. Donc lui, hop, je peux l'envoyer chercher des ressources tout seul. Ensuite, lui, donc j'ai un rover. Et ben, je vais l'envoyer chercher des ressources tout seul. D'accord. Donc là, il me dit qu'un dépôt de matériaux est nécessaire. Donc, j'ai vu que j'en avais un là. Donc, on va le mettre là. Ok. Je confirme. Alors, généralement, ce que je fais, c'est que avec mes pavés là, hop. Ah, attendez, attendez, j'ai peut-être mieux là. D'accord, ok. Ah, ok, d'accord. Donc ça c'est un peu ennuyeux. Je voulais les upgrader, mais apparemment c'est pas possible. Enfin, c'est pas upgradable. Donc je vais juste reconstruire. C'est pas très grave.
Hop. Ok. Donc là, je confirme. Et là au moins j'aurais des... Voilà. Oh, parce que s'il y avait des... En fait, il y a des pavés, mais qui sont éclairés. Alors peut-être qu'ils consomment un peu plus d'énergie, mais au moins ça permettra d'y voir un peu plus clair sur notre... Ce sera un peu plus stylé. Ce sera un petit peu plus stylé. Ok. Donc... Voilà, donc on a nos rovers qui vont chercher donc de la... des matériaux. On peut avoir une or raffinerie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait déjà? D'accord, elle requiert 6 d'énergie. Donc, il va me falloir plus d'énergie. Il va me falloir plus d'énergie. Donc, plus de solar panel. Confirmé. Ok, donc ça, c'est une chose. Ensuite, alors il y a beaucoup de choses, hein. Vous voyez, on a déjà débloqué énormément de choses. D'accord, donc on a la possibilité aussi de construire des puits. Oh, c'est moins efficace que les pompes à eau, je suppose. Pareil. On va reconstruire d'autres. Hop. Hop. Donc on va faire ça. Alors ensuite, il y a le stockage évidemment. Parce que là, bon, on a des pompes à eau, tout ça. D'ailleurs, attendez, parce que je suis un petit peu ennuyé, parce que je vois pas. Je vois pas la progression. Storage unit. Je vois pas la progression. Avant, il y avait la progression des... Non, je le vois pas. D'accord, ok, donc en fait, oui, ok, donc ils sont... Ah, d'accord, oui, ok, c'est là. Donc, ok, donc en effet, donc je suis en sur... comment? Je suis en surabondance de flotte. Donc, il me faut... ces trucs-là, hop. Donc, ce sont des water tanks. Donc, ça permet de, en fait, de stocker de l'eau. Donc, j'en fais 10. Et tant que j'y suis, je vais faire également les silos. Qui, eux, permettent de stocker de la nourriture. Donc pour le moment voilà, usage très très simple, hein. J'ai de l'énergie, je produis de l'énergie que je consomme avec des pompes et des fabriques de nourriture. Alors voilà, donc là on va regarder un petit peu. On peut arrêter. Voilà, d'accord, ok, en cliquant dessus, on peut arrêter de les faire défiler. Donc ça me permet de voir un petit peu. Donc de toute façon, voilà, en bouffe et tout ça, de toute façon, on... D'accord, en eau, par contre, on est censé augmenter maintenant, parce qu'on a plus de capacité d'eau. Par contre, en bouffe, là, par contre, on descend toujours, alors qu'on a une capacité supérieure. Donc, attendez, alors... Sel, pile de 9 heures, Smith, statistique... Center. Ok, d'accord. Alors, il y avait ça aussi. D'accord, ok. Avec ça, je peux construire des rovers. Oui. On va en construire quelques-uns. On va en construire deux.
D'accord, donc là, voilà, j'ai des bâtiments qui sont transparents, cela signifie qu'en fait, ils n'ont plus d'énergie. En effet, je consomme plus d'énergie que j'en produis. Donc, mes pompes et évidemment, mon stock de bouffe ne produisent plus. Alors, est-ce que je peux... Est-ce que j'ai le... Micro-incinérateur, c'est quoi ça? D'accord. Donc j'ai des micro-incinérateurs là, peut-être qu'ils peuvent m'aider. Est-ce que ça produit plus qu'un panneau solaire? Ça produit 15 et un panneau solaire. C'est où mes panneaux solaires? Ils sont là. Ça produit 8. Ah ouais. Mais le truc c'est que je crois que il faut des déchets dans la colonie, hein, c'est ça? On va essayer d'en construire un. D'accord, ok, ça c'est pour déplacer, donc c'est pas ce que je veux. Donc, ok, je peux désactiver. Avant, je pouvais construire par-dessus. Location bloquée. D'accord, ok. Donc avant, il faut détruire maintenant. Ok. Donc ça, c'est nouveau. Avant, on pouvait en fait écraser un bâtiment comme ça en reconstruisant dessus. Peut-être que ça a provoqué des bugs, je sais pas. Donc on va. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les détruis pour mettre des incinérateurs? Ou est-ce que je construis des incinérateurs? Va voir. On va construire des incinérateurs. Et puis il va falloir également que je récupère. Hop. C'est de l'aluminium ça. Alors évidemment. Est-ce que ça peut miner de l'aluminium? Je suis pas sûr. Ok. Donc ça, ils me disent que c'est que. Ok. On va construire d'autres. D'autres ore miner. Donc 3 de plus. Hop, voilà. Et je vais tous les envoyer. Donc en double-cliquant, je les ai tous sélectionnés et je leur dis d'aller, hop, récupérer. Voilà, des minerais. Donc ils vont aller me vider donc cette mine-là. Sur lequel j'ai pas vraiment de détails. Ok, voilà. Il me reste 4000 de fer. Donc que je peux récupérer. Enfin voilà, que je peux. D'accord, ouais. Je me disais pourquoi ça descend aussi fort, mais c'est parce que je suis en train de construire des choses. Donc évidemment. Voilà. Donc premièrement, voilà, ça va être ça. Ça va être de, dans un premier temps, en fait, vider les ressources naturelles et ensuite, je pourrais créer des mines pour exploiter encore plus de ressources. Sachant que, voilà, là, le paradoxe de l'ore mine, par exemple, c'est que ben, il me faut 500 de fer, en fait, pour avoir une mine qui en contient, je sais plus, je crois que c'est 5000 ou un truc comme ça. D'accord, donc ça c'est pour créer des patates. Donc ok, donc ce sont des solutions alternatives. D'accord, ça produit. D'accord, ok. Donc en fait, ok, ça ce sont des alternatives évidemment vu que j'ai une atmosphère, je peux les faire. L'avantage c'est que le champ de patates ne demande pas de salariés apparemment, ne demande pas d'employés, alors que ben, le water wheel, alors que la greenhouse demande un travailleur. Et de nouveau, je suis à la rue au niveau des. Non, c'est bon.
Donc ensuite j'ai ça, j'ai l'internet relais. Alors ça on va le faire tout de suite. Hop, et on va en construire genre 5. Alors ça c'est important. En fait c'est l'accès à internet pour les colonies, pour les colons. Donc ça améliore leur bonheur et donc voilà. Mais je crois que ça permet également d'avoir bah, les communications à distance. Ok. Ensuite, on va pouvoir construire quelque chose d'important, le landing pad. Donc ça, on va le construire. On va le construire. On va le construire là. Ouais, c'est bien là. Hop, confirmé. On va encore construire quelques pavés. C'est histoire vraiment que mes véhicules ils puissent circuler aisément. Confirmé. Non, j'ai des gros problèmes de d'alimentation Alors, je pense que je vais les. Je pense que je vais faire ça. Je vais vendre mes panneaux solaires pour construire des incinérateurs. Les incinérateurs sont plus efficaces. Et puis ça va pareil. Alors, est-ce que j'ai. Ouais, ok, d'accord. J'ai un raccourci clavier. C'est S. Ok, et donc je rajoute des incinérateurs. Je confirme. Et c'est bien ce qui me semblait pour les incinérateurs, il me faut des déchets. Sinon, il ne fonctionne pas. Donc, je me suis mis dans le caca tout seul là. Tant pis, on va garder ces 10 incinérateurs là. Enfin, c'est 9 incinérateurs là. Et on va reconstruire des solar panels à côté, c'est pas grave. Donc, c'est bien ce qui me semblait. L'incinérateur, il faut des déchets, donc et on n'en produit pas encore. Pas, ou du moins pas suffisamment. Oula, alors là par contre, je suis un peu ennuyé, vous voyez, c'est bon, j'ai plus de. J'ai plus de fer. J'ai plus de fer. Donc là, je suis un peu ennuyé. Donc il faut attendre que mes machines, enfin que mes ors, mes véhicules de. Mais comment? Mes véhicules de minage me ramènent de l'or au fur et à mesure. Enfin, ouais, or, du fer, quoi. Au fur et à mesure, des minerais. Pour continuer à construire. Ok, donc bon, petite. Voilà, je vous dis, hein, il y a eu énormément de bâtiments. Par exemple, le puits et le champ de patates, ça c'était pas du tout des bâtiments que j'avais quand j'avais essayé le jeu il y a bien 2 ans.
On va... On va annuler les constructions en cours. Voilà. Histoire de reconstruire les panneaux solaires plus rapidement. On verra pour le reste plus tard. Et donc le lampad, lui, il va se charger progressivement. Et en fait, à chaque chargement, en fait, c'est un nouveau colon qui va arriver. Et donc, on va peupler notre colonie. Alors, il y a un petit souci avec ce jeu, c'est un peu dommage. C'est que voilà, quand on est en sous-production de nourriture, on est... Bah, en fait... Tous les bâtiments s'arrêtent de fonctionner. Et c'est pas quelques bâtiments qui vont arrêter de fonctionner. Non, non, il y a une surcharge d'énergie. Plus personne ne consomme d'énergie, quoi. C'est un petit peu dommage. C'est le seul point noir du jeu, quoi. C'est que dès qu'on tombe en fait en rideau en énergie, ben, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors que on pourrait comment désactiver. Quoi qu'on peut faire ça. On peut faire ça, attendez. Ok, donc c'est pas ça qui consomme le plus d'énergie, faut pas déconner. Donc, je les réactive. Par contre, ce qui doit consommer, je sais ce que c'est. Ça doit consommer pas mal. Et ouais, donc là je suis pile poil à l'équilibre. Donc je recommence à reproduire de la nourriture et... Ouais, de la nourriture et de l'eau. Donc ça, c'est cool. Donc c'est l'usine hein, qui produit énormément. Sachant que l'usine, voilà, pareil, hein, elle a... Vous voyez, à chaque fois que je passe sur un bâtiment, il y a un petit temps de... Voilà, comment, une barre qui se progresse, ça c'est la production à chaque fois du bâtiment. Et le bâtiment, notamment, bah, il produit, en fait, en produisant des gaz, en fait, il produit de l'atmosphère. Donc, mais on est déjà à 5 millions en atmosphère, voilà, j'ai produit 12, alors, je sais pas ce que c'est comme unité de mesure. C'est pas des hectopascales, mais, voilà, en pression atmosphérique, j'ai augmenté de 12. 12 unités. Donc voilà. Donc. D'accord. Donc pareil, j'ai des donc j'ai ça, j'ai donc des huttes comme ça où j'ai des shelters. Alors, j'en profite là qu'on ait suffisamment. Là, je vais construire une petite mine ici là. Hop, histoire de hop. Donc elle va être vidée très très vite, mais elle va me permettre d'augmenter ma quantité de fer très très rapidement. Hop, donc j'ai combien de fer dedans? Ouais, voilà, j'ai 1000 de fer. Donc j'ai consommé 500 de fer pour en avoir... Non, pour en avoir 10 000, pardon. Donc voilà, ça me permet de... Voilà, puis en plus ça va monter très très vite, vous voyez. Parce qu'en plus ils sont juste à côté, donc en fait ils ont même pas besoin de faire des allers-retours. Donc ça me permet de, voilà, comme ça, de gagner 10 000 de fer comme ça, quasiment instantanément. J'ai même plus que ce que mon storage peut supporter, donc
Voilà, c'est assez pratique. Ok. On va... Donc... Voilà, donc ça, on a ce problème-là. Donc, on a la Terre qui nous envoie des taxes régulièrement. Et il faut les payer ou on va se démerder, quoi. Donc, bon, pour le moment, je vais payer. Après, si on paye pas rubis sur ongle, c'est pas grave. On peut se permettre de retarder un petit peu les paiements, donc de rejeter et de payer plus tard. Ça, c'est pas un problème. Alors, ça, importer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut importer? On peut importer de la nourriture. Et donc, ça nous coûte, hein. Ok. Bon, bah, pour le moment, la nourriture, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème, donc... Donc, on s'en fiche un petit peu... Donc on est clairement en sous-population parce que là il me faudrait en fait 5 personnes en fait hein, dans la production de nourriture et je n'ai que 2 personnes mais c'est suffisant. Ok, donc voilà, donc normalement aussi je peux. Comment je fais pour upgrader des bâtiments? Je peux pas encore, hein. Non, je peux pas encore. Alors, il me faut... Alors, ça... ouais. Je pense que c'est le prochain truc qu'on va construire, mais je pense qu'il me faut encore des solar panels avant. Là, il faut qu'en énergie, je sois au top. Donc, on va faire ça comme ça. Quitte à en construire plus que ce qu'il n'en faut, hein. De toute façon... Là, j'ai de la réserve en fer. D'accord, ok. Avec la forêt, je peux pas. Donc ça, je confirme. Il va peut-être me falloir plus de... Ouais. Donc ça, je vais le réactiver. C'est bon, ça passe. Et je vais construire plus de builder bot. D'accord. Je sais pas trop pourquoi je peux pas en construire plus. D'accord, c'est à cause des roues. D'accord, et donc les roues, je les produis ici? Parce que ça, les roues, c'est une... Comment, c'est une ressource, je ne sais pas du tout. Évidemment, de toute façon, voilà, tout ça c'est construit. Donc j'ai de la. Donc et donc là il me faut, comme je disais, une raffinerie. Donc on va les construire là, les raffineries. Hop. Là, idéalement. D'accord, ok, c'est très très chelou comment ça se met. Ah d'accord, ok, je peux les superposer comme ça. Bon, on va en créer 5. Non, ok, d'accord. Donc il me les met bien. Donc ça m'en fait 4 et 5. Voilà. Donc ça va me permettre de transformer de. Alors je crois que c'est du fer en aluminium, même si ça n'a pas vraiment de sens. C'est ça.
Non, ok, d'accord, oui, donc c'est pas en... Non, c'est pas en alu, c'est en acier. C'est ça. Donc là, maintenant, je vais pouvoir produire de l'acier. Et avec l'acier, je vais pouvoir construire des robots constructeurs beaucoup plus évolués. Et... Oui, ok, oui, c'est parce que... Hop, voilà. Parce que j'avais un truc en cours d'attente. Consomme beaucoup d'énergie là, mais bon. On est pas mal. Je vais reconstruire. Je suis au niveau. D'accord. Ah oui, d'accord, oui. Donc, on va même. On va en faire plusieurs. Ça m'en fait 4. Allez, confirmé. On va construire un petit peu de ces. Hey, j'aurais dû les construire un par un. J'aurais dû les construire un par un parce que là, ça me. Donc il me faut un. Viens là, toi. Ok, voilà. Donc normalement là. Attendez, hop. Voilà. On va tous les envoyer là-dessus. Et donc là, voilà, c'est bon. Je suis en train de reproduire de la. Des minerais de fer. Alors, je vais en prendre un. Faut qu'il me construise ça. D'accord, ok. En fait, il me les a tous pris. Allez-y tous, et puis ben. Ok, hop, c'est ça que je voulais. Voilà. Hop, je les envoie tous sur la mine, comme ça. Voilà, là ils me reproduisent de leur volonté, puis ils passeront sur les quatre autres mines rapidement, ils feront des allers-retours. Voilà. Mais ça me permet voilà, de gérer mon fer très, très facilement. J'ai ce qu'il faut en bouffe. Donc maintenant que j'ai donc ça, dismiss. Ok, maintenant je peux faire des. Alors par contre, j'ai le fichier qui n'a pas chargé là. Voilà, ok. Donc le gold miner, hein, payroll. Ah oui, le payroll. Donc évidemment là également, mes colons, il faut que je les paye. Donc je dois les payer, voilà, 4 dollars, ils sont 2, donc je les paye 2 dollars chacun. Donc évidemment voilà. Et si je, évidemment, si je les paye pas, ben ça va mal finir quoi. Donc ça pareil, hop, je vais en construire quelques-uns. Et eux, ok, ça m'en fait que 2. Je sais pas pourquoi il m'en a construit 2 alors que j'en ai demandé plus que ça. Oui, encore une fois, c'est à cause des pneus. Donc en effet, donc c'est ça, il me produit des pneus. Donc il faudrait.
faudrait que je construise plus de ces bâtiments pour créer des pneus en fait. Alors maintenant. Ah, alors, j'ai ça. Ah oui, alors j'ai ça, ça me permet en fait de... ouais. Alors, on va pas les construire maintenant. Par contre, on a la gold raffinerie et ça... Ça, par contre, je voudrais qu'on le construise. Alors, cancel. Pour le faire rotater, c'est... Attendez. Engine. Excusez-moi. Hop. Keyboard control. Alors. Apparemment, c'est F. Ok, on a ça aussi. D'accord, ok. On va essayer ça rapidement après. Alors, normalement, c'est F. D'accord, donc non, je peux pas le rotater, visiblement. Bon. Bah, ça, pareil, hein, on va en créer... 4, 5. Je construis toujours par 5. C'est ce qui est le plus simple. Ça et un truc qui va être super important. Mais je n'ai pas assez de d'acier pour ça, visiblement. Ouais, j'ai pas assez d'acier pour ça. Donc là maintenant, voilà, j'ai une raffinerie d'or, donc ce qui fait que mes mineurs d'or vont pouvoir me ramener ben de l'or, tout simplement. Et normalement, en le créant, j'ai débloqué également... Non, je l'ai pas. Je ne l'ai pas pour la fabrique d'or. Non, la fabrique d'or doit venir plus tard, il me semble. Après, donc, on a le laboratoire de recherche. Donc ça va être une des prochaines choses qu'il faut créer. Ben, on n'est pas trop mal là. Alors, juste parce que voilà, ça me perturbe. Voilà. On va juste les créer rapidement. Donc évidemment, ils sont en train de construire mes raffineries d'or. Donc pareil niveau bois, je suis au max de ma capacité. J'ai pas le dépôt de bois encore. Bon donc voilà, en fait on va pas tarder à débloquer normalement les. Hop. Ah d'accord, on peut importer des roues si on veut. Ouais, ça coûte cher. Donc c'est pas ça que je voulais, c'était build. Donc on peut pas encore créer les robots supérieurs. J'ai un doute si c'est ici en fait qu'on les construit en plus. Et il va falloir également, oui, parce que là j'ai des... Voilà, hein, j'ai des colons qui sont en attente. Tiens, j'ai des cadeaux. D'accord, ok, ouais, c'est une aide de... Pour les 4 dollars que j'ai payé, en fait, il y a une partie qui est remboursée par l'Union de la Terre. Donc voilà, c'est une aide en fait au salaire des.
des colons. Donc ça, ok. Donc pour le moment, on est un petit peu bloqué. Alors là, maintenant, j'hésite. Soit je crée des huttes qui ne consomment pas d'énergie, soit je crée des shelters. Pour trois, d'accord, un shelter pour trois colonialistes, alors que je suppose que voilà, ok, alors que le c'est que pour deux personnes la hutte en bois. Après du bois, j'en ai à plus savoir quoi en faire. Hein. Donc est-ce qu'on commence à construire notre quartier d'habitation? Moi je dis oui, mais on va le construire en shelter. Après tout, l'énergie c'est pas, hein, on peut reconstruire des panneaux solaires quand on veut. Et on va le construire bah, pas loin du Longfin Pad. Hop. Voilà, on va créer une dizaine de shelters. Et je vais évidemment hop, mettre des pavés. Donc ça me consomme, j'ai dit 2 d'énergie, ça me consommait 10 d'énergie, j'ai tombé à 261, donc c'est bon. Non, ça me consommait 20 d'énergie, donc je serai à 271. C'est bon, ça le fait. Ça le fait largement. Au niveau de mes silos, je commence à galérer. Donc on va reconstruire des silos. Mais normalement les silos, après on va pouvoir les upgrader. Parce que là je suis en... Voilà, je suis en limite de... Donc là, j'ai beaucoup de constructions qui sont en attente. C'est surtout en fait les raffineries d'or qui sont en train de prendre un peu de temps. Sachant que je vais certainement reconstruire des. Hop. Des gold miners. Ouais, mais j'ai plus d'acier. J'arrive plus à produire d'acier. Voilà. Bah écoutez, ça fait 50 minutes que cet épisode tourne, donc je vous propose, c'est de, voilà, on va continuer, hein, évidemment, cette série. On va continuer encore les 5 petites minutes qui restent. Alors l'avantage, c'est que là, je tourne avec Action, la nouvelle version d'Action, là, que j'ai installée. Donc j'ai le chronomètre en haut à droite, je vois que ça fait 53 minutes que j'ai lancé l'enregistrement. On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Alors, il me semble également que ici, je peux faire quelque chose. D'accord, oui, ça me produit 3 d'énergie de base, en fait. Bon, voilà, ça pose pas trop de problèmes. Et ça sert de stockage également de base. On va le laisser. De toute façon, on va le laisser aussi en guise de... Voilà, c'est la capsule qui a amené les premiers colons sur cette terre. Ah, on a de l'eau ici, d'accord. Ah oui, ok. D'accord. Ok. Alors oui, parce qu'on n'a pas regardé vraiment, mais voilà. Tout ça, c'est la carte. Donc on a de quoi faire, hein. On a de quoi faire les... On a de quoi faire.
D'accord. Et donc on a une grosse rivière là, donc on peut éventuellement l'exploiter. Enfin l'exploiter, on peut consommer l'eau qu'il y a dedans, même si bon, en soi les pompes sont largement suffisantes. Voilà. Alors, le daylight, honnêtement, je pense que je vais plutôt le supprimer. Daylight settings, daylight circle, always days. Voilà. Bon, écoutez, on va juste attendre que la dernière mine d'or se fasse. Et puis, on se quittera là-dessus pour ce premier épisode, en espérant qu'il vous ait plu. Et puis, je vais enchaîner sur le second. Que vous aurez la semaine prochaine. Alors, voilà, ok. Et là, ils sont en train de construire les silos, ils vont tout construire au fur et à mesure. Eh bien, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis ben, à la semaine prochaine, s'il n'y a pas de Bleach Brave Souls entre deux. À bientôt!